Saint-François, votre air recueillit le dénote plus d'une fois. Je suis sœur de Saint-Dominique, quand dites-vous, et l'un et l'autre est séraphique. Je veux devenir Dominique en charité. Je veux devenir séraphique en pauvreté. Je dis et prêche le rosaire. Voilà mon choix. Pour moi, je ne sais qu'au calvaire, Jésus en croix. Pourquoi nous ferions-nous la guerre, ma chère sœur? Nos saints se sont aimés sur terre avec ardeur. Ils ont tous deux la même gloire dans le Seigneur. Chère sœur, il faut nous croire, n'ayons qu'un cœur. Tous les deux sont grands patriarches du même temps. Les deux sont de vives âges du Testament. Ils sont deux serviteurs fidèles en vérité et de très excellents modèles de sainteté. L'un trouve sur le calvaire son élément, l'autre le trouve en son rosaire également. L'un a sa chair toute percée comme son Dieu. L'autre a son âme embrasée du même feu. Ils sont les enfants de Marie, les plus chéris. Elle donne à tout de la vie dans son cher fils. L'un à Notre-Dame des Anges est enrichi. Publier ses louanges est agrandi.
deux ordres sont tous semblables, ma chère sœur. Nos habits ne sont dissemblables qu'en la couleur. Pour nous animer davantage au pur amour, parlons ici son saint langage et tour à tour. Mon habit de couleur de cendre, ou gris ou brun, ne marque ni ne fait entendre rien de commun. Il marque la persévérance dans sa longueur, la pauvreté, la pénitence dans sa couleur. Mon habit noir, si l'on le sonde de bout en bout, ne marque que mépris du monde, que mort à tout. Ma tunique blanche et cachée fait fort bien voir mon âme est ressuscitée sous l'habit noir. Nos deux habits, ma chère amie, figurent bien toutes les vertus de la vie d'un bon chrétien, la pauvreté, la pénitence, la pureté, la charité, la patience, l'oraison est ma nourriture de tous les jours. Quoique la chair gronde et murmure, j'y suis toujours. Quand j'y suis aride ou distraite par le malin, persévère en paix parfaite jusqu'à la fin. Je fais tout l'obéissance aveuglément, je ne me fie à ma prudence aucunement. Mon cher père, que faut-il faire? Dites-le-moi.
mangé, je n'ai parlé, me taire. Prêche par la modestie en me taisant, mon air doux et simple édifie tacitement. J'ai le visage sans grimace et sans aigreur, de joie et de bonne grâce, plein de douceur. Je ne suis aigre ni piquante en reprenant. Je suis douce et condescendante en châtillant. Je fais offre à chaque personne de la servir. Quand je donne ou quand je pardonne, c'est mon plaisir. Avec beaucoup de confidence, je parle ici. Le lundi, je fais abstinence, et mercredi, je jeûne l'avant le carême, les quatre temps. Le samedi même, exactement. Pour satisfaire à l'injustice du Tout-Puissant, je prends la R et le silice secrètement. La discipline ou la ceinture, malgré mes sens, couchant sur la paille ou la dure, presque en tout temps. Je me confesse et communie fort fréquemment, afin de recevoir la vie et l'aliment. Je dis chaque jour d'ordinaire mon chapelet, quelquefois même mon rosaire pour plus parfait. Ma sœur, je ne puis pas vous dire combien mon cœur
recherche, soupir et désir. Dieu mon sauveur, Jésus en croix est ma sagesse et mon séjour. C'est mon honneur, c'est ma richesse, c'est mon amour. Je vais par Jésus à son Père, très dignement. Je vais à Jésus par sa mère, très sûrement. Je fais tout en elle et par elle, c'est mon attrait. Pour être à Dieu toujours fidèle, c'est mon secret. La dernière étant la première, a dit mon Dieu, je me prends comme étant la dernière, le plus bas lieu, sans orgueil et sans flatterie, sans vanité. Au pied de tous, je m'humilie en vérité. Anathème au monde, anathème, dis-je en mon cœur, car je n'ai qu'une horreur extrême pour ce trompeur. Ses menaces, ni ses promesses, ni son faux bien, ses mépris ni ses caresses ne me font rien. Ne disputons jamais des grâces, des bienheureux. Ne pensons qu'à suivre leurs traces dans ces bas lieux. Dominique et François revivent en sainteté. Si les frères, les sœurs les suivent en vérité. Chantons ma sœur, chantons mon frère, et tour à tour, vive Jésus, vive sa mère, vive l'amour, vive Marie en ses délices, rien n'est plus doux. Jésus en ses supplices, c'est mon époux.
Jésus, notre aimable frère, sauvez-nous tous, ô notre très aimable mère, priez pour nous. Grand Saint François et Dominique, nous vous prions de nous faire mettre en pratique vos actions. Un prêtre a besoin de sagesse, donnez-la lui. Il ne veut point d'autre richesse, ni d'autre appui. Et par Jésus et par Marie, nous vous pressons de lui donner en cette vie ce don des dons. N'êtes-vous point la sœur dévote de Saint François, votre air recueillit l'un des notes plus d'une fois. Je suis sœur de Saint Dominique, qu'en dites-vous? Séraphique, unissons-nous. Je veux devenir Dominique en charité. Je veux devenir séraphique en pauvreté. Je dis et prêche le rosaire, voilà mon choix. Pour moi je ne sais qu'au calvaire Jésus en croix. Pourquoi nous ferions-nous la guerre, ma chère sœur? Nos saints se sont aimés sur terre, à
avec ardeur. Ils ont tous deux la même gloire dans le Seigneur. Ma chère sœur, il faut nous croire. Sont grands patriarches du même temps. Tous les deux sont de vives arches du testament. Ils sont de serviteurs fidèles en vérité. Excellent modèle de sainteté. S'il a trouvé sur le calvaire son élément, l'autre le trouve en son rosaire. Également, l'est en sa chair toute percée, comme son Dieu, et l'autre a son âme embrasée du même. Ils sont les enfants de Marie, les plus chéris. Elle donne à tous de la vie dans son cher Fils. Les à Notre-Dame des anges est enrichie. L'autre a publié ses louanges, est agrandi. Nos deux ordres sont tous semblables, ma chère sœur. Nos habits ne sont dissemblables qu'en la couleur. Pour nous animer davantage au pur amour, parlons ici son saint langage et tour à tour. Mon habit de couleur de cendre, ou gris ou brun, ne marque ni ne fait entendre rien de commun. Il marque la persévérance dans sa longueur. Pénitence dans sa couleur. Mon habit noir, si l'on le sonde de bout en bout, ne marque que mépris du monde. Mort à tout, ma tunique blanche et cachée fait fort bien voir que mon âme est ressuscitée sous l'habit noir.
les habits, ma chère amie. Figure bien toutes les vertus de la vie d'un bon chrétien. La pauvreté, la pénitence, la pureté, la charité, la patience, l'humilité. L'oraison est ma nourriture de tous les jours. Quoique la chair gronde et murmure, j'y suis toujours. Quand j'y suis aride ou distraite par le malin, j'y persévère en paix parfaite jusqu'à la fin. Je fais en tout l'obéissance aveuglément. Je ne me fie à ma prudence aucunement. Mon cher père, que faut-il faire? Dites-le moi. Manger, jeûner, parler, me taire, donner la loi. Je prêche par la modestie, en me taisant. Mon air doux et simple édifie tacitement. J'ai le visage sans grimace et sans aigreur, plein de joie et de bonne grâce, plein de douceur. Je ne suis aigre ni piquante en reprenant. Je suis douce et condescendante en châtillant. Je fais offre à chaque personne de la servir. Quand je donne ou quand je pardonne, c'est mon plaisir. Avec beaucoup de confidence, je parle ici. Le lundi, je fais abstinence, et mercredi, je jeûne l'avant, le carême, les quatre temps, les vigiles samedi même, exactement. Pour satisfaire à la justice du Tout-Puissant, je prends la R et le silice secrètement. La discipline ou la ceinture
malgré mes sens, couchant sur la paille ou la dure, presque en tout temps. Je me confesse et communie fort fréquemment, afin de recevoir la vie et l'aliment. Je dis chaque jour d'ordinaire mon chapelet, quelquefois même mon rosaire, pour plus parfait. Ma sœur, je ne puis pas vous dire combien mon cœur recherche, soupire et désire Dieu mon Sauveur. Jésus en croix est ma sagesse et mon séjour. C'est mon honneur, c'est ma richesse, c'est mon amour. Je vais par Jésus à son Père, très dignement. Je vais à Jésus par sa mère, très sûrement. Je fais tout en elle et par elle, c'est mon attrait, pour être à Dieu toujours fidèle, c'est mon secret. La dernière étant la première, a dit mon Dieu, je prends comme étant la dernière, le plus bas lieu, sans orgueil et sans flatterie, sans vanité. Je m'humilie en vérité. Anathème au monde, anathème, dis-je en mon cœur, car je n'ai qu'une horreur extrême pour ce trompeur. Ses menaces, ni ses promesses, ni son faux bien, ni ses mépris, ni ses caresses, ne me font rien. Ne disputons jamais des grâces, des bienheureux. Ne pensons qu'à suivre leurs traces dans ces bas lieux. Dominique et François revivent en sainteté. Sœurs les suivent en vérité. Chant
Chantons, ma sœur, chantons, mon frère, et tour à tour. Vive Jésus, vive sa mère, vive l'amour, vive Marie en ses délices. Rien n'est plus doux. Vive Jésus en ses supplices. C'est mon époux. Ô Jésus, notre aimable frère, sauvez-nous tous. Ô notre très aimable mère, priez pour nous. Grand Saint François et Dominique, nous vous prions de nous faire mettre en pratique vos actions. Un prêtre a besoin de sagesse, donnez-la lui. Il ne veut point d'autre richesse, ni d'autre appui. Par Jésus et par Marie, nous vous pressons